Hello les amis, je vous remercie d'avoir regardé la première partie de la vidéo. Vous avez pu voir comment on a fabriqué ce silencieux pour monter sur mon échappement. Alors on peut le monter sur un Doppler ou sur un Gianelli, hein. Vous savez que les cartouches des Gianelli et des Doppler sont quasi identiques. Alors, quasi identiques, attention, j'ai démonté une Doppler. Je les connais bien, les Doppler. J'ai jamais démonté une Gianelli encore. Mais il me semble que ça doit sensiblement être le même type de fabrication. C'est du made in China. J'ai pas envie de vous dire que celle-ci, là, en aluminium, c'est de la saleté. Parce que je vous raconterai une bêtise. C'est pas dégueulasse. C'est made in China. C'est pas totalement pourri. Ça fonctionne. Ça fait le taf. On va pas pleurer, hein. On a des belles pièces de mobilette. On va pas commencer à tailler un costume aux fabricants. Néanmoins, en termes d'échappement, c'est vrai que d'une manière générale, on est vraiment déçu, hein. Et vous avez vu, j'ai fait des différentes vidéos sur les pots turbo kits que j'apprécie, vous le savez, mais qui ont leurs faiblesses. Je ne vous parle pas du pot Polini Custom, qui est une véritable saleté. Je ne vous parle pas de certains pots. J'ai plus le nom là d'un petit pot serpentin, Simonini, le petit Simonini. Alors lui, on n'en parle pas, c'est pareil, c'est un cauchemar. Donc c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux pots parce qu'on est plusieurs à avoir la même pensée, c'est que eh ben on nous vend de plus en plus des choses qui sont pas forcément poussées au niveau de la finition, au niveau de la qualité, puis que c'est décevant. Le silencieux carbone Doppler, c'est un cauchemar. Moi, je l'ai plié en fou à peine plus de 150 km, on n'en parle pas. C'est une vacherie absolue. Celui-ci là, il est pas mal. J'ai un reproche à lui faire, c'est que des fois il prenne un petit peu de jeu quand même. On va pas se voiler la face. Lui, il pisse de partout. Hein, vous avez déjà vu quand ça commence à dégouliner, c'est vraiment chiant. Et puis j'avais envie de me faire plaisir, donc je voulais absolument construire un silencieux inox. Voilà. Silencieux que vous avez pu voir au niveau du montage. Alors je tiens particulièrement à remercier mon ami Jean-Marc, parce que Jean-Marc c'est mon Yoda à moi quoi. C'est mon maître dans le sens où c'est mon formateur. Je ne vais pas vous raconter ma vie, sachez juste que j'ai changé d'orientation professionnelle. Je suis passé du métier de commercial et responsable de secteur à soudeur. Voilà, je voulais faire autre chose. J'ai 45 ans, je voulais vraiment faire autre chose. Et aujourd'hui, j'apprends à souder j'ai fait déjà une formation AFPA qui a duré quelques mois. Et puis aujourd'hui, je suis dans une société qui me permet de parfaire ma formation avec un futur retraité, un vieux de la vieille, comme on dit, mais qui a de l'or entre les mains, qui sait travailler d'une manière remarquable. Et c'est lui aujourd'hui qui a pu, pendant nos heures de pause, hein, évidemment, qui a pu m'aider à... Enfin m'aider, non, il ne m'a pas aidé, c'est moi qui l'ai regardé construire ce silencieux. La vérité, je crois que c'est lui qui l'a fait intégralement. Alors vous avez vu, hein, toutes ces pièces-là ont été récupérées dans la benne à inox, comme quoi avec ce qu'il y a dans les poubelles, on peut faire de la magie. Il a complètement soudé le tube mitraillette. Alors le tube mitraillette, au départ, vous avez vu sur la vidéo, hein, il est quand même bien ajouré. Les tubes mitraillettes que l'on retrouve dans les Doppler, on voit pas, je suis désolé. Bon, au niveau lumière, c'est pas ça. C'est des petits trous, c'est micro-perforé avec des petits trous un peu partout. Là, on a des trous beaucoup plus généreux. On a mis une laine de roche, la laine de roche que vous trouvez chez les fournisseurs, les quincaillers, tous ceux qui nous fournissent de la came pour les mobilettes. Là, en l'occurrence, ça vient de VSX, je crois. Et puis le reste, eh ben, vous avez vu la construction tout en inox. Alors, les différences, on a toujours un diamètre de 60 mm entre les deux silencieux. On en a un qui est plus long que l'autre, 4,5 cm, 5 cm. Ouais, 50 mm maxi, quoi. Il est plus long. Petite différence aussi au niveau du tube mitraillette, on a un diamètre de 1 mm ici, plus important que sur le Doppler. Donc 1 mm plus important là, mais on a une longueur qui est majorée de 50 mm. Donc vous voyez, je pense qu'au niveau de l'effort, ça doit être à peu près la même chose. On n'a pas fait des études, hein, on n'est pas arrivé, je lui ai pas dit tiens, voilà, j'ai fait des calculs, des machins, c'est pas vrai. On est arrivé comme ça avec ce qu'on a trouvé dans la poubelle, avec le morceau de laine de roche, et on a créé un silencieux. On s'est fait plaisir. Il sera performant. On sait qu'il va être plus silencieux que le Doppler parce qu'on a fait des essais déjà de décibels, d'absorption, et on s'est rendu compte que ce pot-là sera plus silencieux. Ça va forcément changer le bruit, c'est le but.
Et puis il y aura plus de fuite. Hein. Celui-ci, il y a le joint qui est là. Vous connaissez la sortie des échappements Gianelli ou Doppler. Et là, techniquement, tout est soudé. Donc, si l'huile doit pisser, elle pissera par la tétine et pas par ailleurs. Donc ça, c'est chouette. Alors, ce que je vais faire maintenant, le silencieux était fait avec amour. À moi de préparer le pot avec amour et de vous faire des essais. Ce qu'on va déjà faire, on va commencer par monter le silencieux Doppler et on va sortir le sonomètre et on va prendre les décibels. On va regarder ce que ça crache en décibels ici et on refera rigoureusement le même exercice avec le silencieux inox que JM m'a préparé. D'accord? Donc ça va être intéressant déjà parce qu'on va voir la différence en décibels, mais avec le téléphone, je ne sais pas si ça rendra bien au niveau du son. Par contre, une chose est sûre, c'est que si je vous donne des chiffres, ça va vous parler. Donc ça fera l'objet d'une future vidéo. Pour l'instant, je vous laisse sur ces images. Je vous souhaite une super soirée à tous. Je vous remercie d'avoir suivi déjà voilà ces images-là. Et puis encore merci à tous ceux qui suivent, qui lâchent des commentaires, qui sont sympas. Comme je vous ai dit quand on a fait la chaîne, c'était pour s'enrichir, pour partager, pour donner des idées, pour recevoir des idées, recevoir des conseils. Vous jouez le jeu, on tombe pas sur des grincheux, c'est vraiment agréable, c'est cool. Merci à vous tous, à très bientôt les potos.